Le 4 avril dernier, la première chaire industrielle française de géothermie profonde a été inaugurée à Strasbourg. La géothermie profonde consiste à puiser de la chaleur et donc de l'énergie à plus de 1500 mètres sous nos pieds, là où circule de l'eau à plus de 150 degrés. La nouvelle chaire est portée en partenariat par EDF, le groupe ES, l'Université de Strasbourg et le CNRS. Et chacun y trouve son compte. Il s'agit à la fois pour l'université d'être à l'écoute du monde de l'économie et aussi pour l'industriel de récupérer des savoir-faire, des savoirs tout court, qu'il n'a pas en interne. Cette nouvelle chaire est le fruit d'une longue collaboration entre le groupe ES et l'Université de Strasbourg, initiée en 1985 autour du projet pilote de Soulce sous forêt. Après la recherche fondamentale, vient le temps de l'exploitation et le développement industriel de la géothermie profonde se confronte à des défis techniques inédits qui nécessitent de nouer des partenariats scientifiques et industriels. La géothermie est une industrie naissante pour laquelle nous avons besoin de monter en compétences. Il se trouve que l'Université de Strasbourg, avec le laboratoire EOST, a les compétences en géologie, en technique du sous-sol, et ces compétences, ces savoir-faire, cette expertise, ces connaissances scientifiques sont utiles à l'industriel que nous sommes pour développer des bonnes technologies qui nous permettent de développer la géothermie profonde. Le groupe ES a d'ailleurs déjà 5 projets pour le seul territoire alsacien. Outre la recherche et le développement de nouvelles technologies, la nouvelle chaire est bien sûr un lieu de formation pour les futurs acteurs d'un secteur prometteur. Une grande partie de cette chaire, elle sera destinée à former les ingénieurs de demain qui agiront aux diverses étapes de la géothermie, à métier nouveau, savoir nouveau et donc formation nouvelle. La chaire de géothermie profonde est le creuset du développement d'une filière d'avenir, d'une énergie renouvelable et disposant d'un potentiel d'application exceptionnel.